Mesdames, Messieurs, je ne suis pas croyant en quoi que ce soit, mais vous célébrez le fonctionnement. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une thématique en particulier, qui est celle qu'on appelle de l'effondrement, qui est un thème à la fois délicat mais nécessaire à évoquer aujourd'hui. C'est une notion délicate parce qu'elle fait appel à des affects et à des émotions, à des représentations qui sont polarisantes et qui sont fortes et qui sont peut-être pas forcément mobilisatrices ou pertinentes pour un débat public. Et je vous propose ici une perspective académique sur l'évolution et l'effondrement des sociétés complexes que je m'efforce de vulgariser de façon à que ça soit saisissable par tout un chacun. Je vous en prie, si vous avez des questions de compréhension, posez-les pendant l'intervention. Si des questions d'élaboration, il y aura un espace à la fin de l'intervention. Cette intervention était censée répondre à trois questions selon le descriptif. La première, c'est comment est-ce que les sociétés se sont effondrées dans l'histoire. La seconde, c'est quelles ont été les principales causes. Et enfin, est-ce que ce phénomène pourrait-il se produire à nouveau? Et un rappel, si ce n'est pas déjà fait, pensez à mettre vos appareils sous hypnose. Le plan de cette intervention est divisé en quatre parties. Tout d'abord, quelques éléments introductifs, y compris des sources sur lesquelles je me base. Ensuite, la thématique de l'évolution. Deux cas d'études. L'effondrement de l'Empire romain d'Occident et celui des cités-États mayas, et enfin une analyse de la situation actuelle. Pour commencer, quelques éléments sur le présentateur. Je suis rédacteur adjoint pour la Humanitaire Suisse et j'ai la chance aussi de participer au Centre d'histoire et prospective militaire avec un intéressement en ce qui me concerne. Sur tous les éléments qui ont trait aux impacts climatiques sur la sécurité, mais également d'autres problématiques énergétiques. À côté de ça, je suis officier de l'armée suisse avec le grade de capitaine, officier de réserve, je précise. Et je viens de terminer un master en durabilité à l'Université de Lausanne. Ce master-là, je l'ai consacré à l'étude des dynamiques évolutionnaires des sociétés selon les travaux de Joseph Tainter. Et c'est un travail qui est aujourd'hui maintenant disponible en ligne. Je précise que je ne parle au nom d'aucune des institutions qui sont citées ici, pour vous donner du contexte. C'est ici que je viens en personne propre, sur l'invitation d'Adrien Cousinier d'Adrastia Genève, pour lesquels je suis très reconnaissant. Merci Adrien. L'auteur que je m'utilise aujourd'hui est Joseph Tainter. Joseph Tainter est un archéologue, c'est également un anthropologue américain, qui a énormément marqué le milieu de l'étude de l'effondrement à partir de 1988, où il publie « L'effondrement des sociétés complexes »,« The Collapse of Complex Societies » en anglais, un livre qui aujourd'hui est le plus cité après « Effondrement » de Jared Diamond, avec à peu près 3000 et quelques citations. C'est un livre qui a une influence considérable, mais Tainter a publié à peu près 8 ans de papier à suite à la publication de cet ouvrage-là, qui amène des éclairages saisissants dans comment est-ce qu'il analyse l'effondrement des sociétés. Et en fait, en quoi est-ce que Tainter a une place particulière dans l'étude de l'effondrement? On peut y répondre par 4 ou 5 caractéristiques. La première, c'est qu'il est très connu dans le monde académique, mais moins dans le plus grand public, qui a été beaucoup plus sensibilisé par les ouvrages de Jared Diamond, que vous avez peut-être entendu parler, qui est très vulgarisé, qui est aussi rempli d'erreurs. En ce qui concerne cet élément-là, Tainter est bien moins critiqué que Diamond. Diamond est très vivement critiqué dans le milieu académique, mais pas considéré forcément comme une référence. Un intérêt de Tainter, c'est qu'il propose une théorie générale de l'évolution et de l'effondrement des sociétés, contrairement à d'autres auteurs qui ont une approche beaucoup plus particulariste, qui n'est pas forcément fausse, mais l'intérêt des théories générales, c'est que c'est pas forcément d'être plus juste, mais c'est de donner plus d'informations sur lesquelles on peut agir, qui donne après des éléments qui sont plus nourrissants intellectuellement. Et Tainter est le seul qui se focalise à la fois sur les mécanismes d'évolution des sociétés et ceux de dévolution ou d'effondrement des sociétés. C'est un éclairage très intéressant parce que au lieu de se focaliser sur
un processus ou un événement particulier. Donc, se poser la question qu'est-ce qui allait mal, on se pose la question mais comment est-ce que les sociétés grandissent et viennent après à dépérir. Alors bien sûr, c'est des termes chargés d'une connotation morale, mais ça donne à peu près l'idée. C'est plus la dynamique d'évolution qu'un élément, pourquoi est-ce que ça allait mal, qui généralement amène à faire de la recherche, enfin, on peut se planter en se disant qu'est-ce qui allait mal plutôt que comment les sociétés évoluent. Et encore un autre élément, c'est, ça c'est des préoccupations académiques, mais Pinter a également une focalisation sur la manière dont on établit des savoirs solides qui le distingue d'un, par exemple d'un Jared Diamond. Et enfin, j'ai coupé un élément, mais c'est pas important. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution des sociétés, on peut résumer le modèle de Tinter à un certain nombre d'éléments, mais avant ça, juste pour se rendre compte de l'évolution des sociétés, l'Homo sapiens existe depuis 300 000 ans, et sur ces 300 000 ans, ça fait seulement à peu près 10 000 ans qu'on vit en tant qu'être humain de manière organisée, d'abord avec la révolution agricole et après à partir de d'il y a à peu près 5 000, 6 000 ans d'avoir une histoire enregistrée. Les humains existaient en société tribale avant cela, mais jamais de manière organisée à des échelles qui excédaient la vingtaine, la cinquantaine d'individus, avec des épisodes de rencontres de plus de 100 individus. Ce qui veut dire c'est que l'évolution des sociétés modernes est tout à fait récente, mais par contre, l'évolution des humains en tant que telle a une histoire beaucoup plus ancienne. Et sur cette histoire enregistrée, on a un présent qui aujourd'hui nous occupe entièrement, mais qui est finalement une fraction de cette histoire enregistrée. Et dans cette histoire enregistrée, le système international dont on est en train aujourd'hui de sortir ou de muter dans un autre type de système est une fraction de ce qu'on appelle le système d'État-nation moderne. C'est une information qui est nécessaire pour se rendre compte à la fois de l'anomalie historique de nos modes de fonctionnement, c'est-à-dire c'est une anormalité par rapport à l'évolution totale du genre humain, et en même temps l'héritage sur lequel nous nous appuyons, la culture moderne en particulier, tous les rôles qui sont indirects, dans l'ingénierie ou bien après dans les chaînes de transformation alimentaire. C'est la même chose pour tout ce qui est énergie renouvelable, qui ont besoin d'une complexité extraordinairement importante pour tout ce qui est la construction de cellules photovoltaïques, d'éoliennes, etc. Adrien pourra vous en parler un peu plus dès qu'on s'intéresse aux chaînes logistiques et aux chaînes d'approvisionnement. Pour le pétrole, c'est également le cas. C'était moins le cas quand on a commencé l'exploitation, parce qu'on pouvait aller directement s'attaquer aux puits les plus abordables et les plus productifs, qui nécessitaient juste de creuser, et après que la pression du puits, le pétrole sortait quasiment sans effort. Aujourd'hui, il faut aller chercher le pétrole dans des endroits de plus en plus reculés, qui sont de plus en plus profonds, avec des techniques de plus en plus complexes, notamment pour tout ce qui est maintenant les gaz et les huiles de schiste. Il faut des forages horizontaux qui permettent de perforer des roches qui sont agglomérées, et au lieu d'avoir juste un bassin, comme c'est généralement le cas dans les puits classiques. Je ne vais pas non plus aller insister là-dessus. Et tout ça, ça nécessite d'une technologie qui est de plus en plus spécialisée et qui a de plus en plus de parts différentes, avec des régulations, ne serait-ce que l'opérateur d'une plateforme pétrolière, qui sont de plus en plus complexes, qui régulent le comportement de tous ces gens qui doivent fonctionner ensemble de manière cohérente. Et ça, c'est pour ça que l'accès à l'énergie requiert de la complexité, et que de l'énergie supplémentaire tend à générer cette complexité, parce que pour deux raisons, parce qu'à la fois on a besoin de mettre en place une infrastructure pour pouvoir extraire cette énergie. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a une tendance naturelle dans le monde vivant à toujours maximiser la capacité qu'on a d'extraire de l'énergie pour obtenir ce qu'on appelle un avantage compétitif par rapport aux autres agents qui sont dans le système. Ça ne s'applique pas pour les entités isolées, mais dès qu'elles sont en réseau et qu'elles fonctionnent avec d'autres entités dans lesquelles il y a des dynamiques de compétition qui se mettent en place, qui sont, il faut le rappeler, des stratégies de survie normales, et bien à ce moment-là, on a cette compétition qui se met en place avec cette maximisation de l'extraction énergétique. Je réalise que c'est particulièrement abstrait ce que je vous dis, et j'espère que vous arrivez à suivre jusqu'à présent, et que votre silence témoigne
plutôt de votre intérêt pour la thématique que je vous ai déjà permis. La thématique, la dynamique est importante. Après, on va venir avec des exemples très concrets qui vont permettre de donner du sens à tout ce qu'on évoque là maintenant. La dynamique d'évolution de société peut être résumée à trois, bien sûr que c'est grossier, mais ça permet de saisir l'ensemble, à trois processus, des rendements décroissants, le cadre d'évolution, et dans le cadre d'évolution, on va venir, il y a encore d'autres éléments. Les rendements décroissants, c'est un principe qui a été mis en évidence par les économistes classiques du 18e et du 19e siècle, qui est la tendance dans tout système, alors à mesure qu'on accroît un investissement dedans, à que celui-ci donne de moins en moins de rendement. Et ça, on le voit partout. Plus on, par exemple, quand on fait de l'agriculture, plus on accroît la quantité d'intrants, c'est-à-dire d'engrais ou de pesticides, eh bien, les rendements ne vont pas évoluer de manière proportionnelle. Ils vont continuer à augmenter, mais de manière de moins en moins importante, jusqu'à un moment dans lequel économiquement c'est plus intéressant parce qu'on perd de l'argent quand on rajoute des intrants. C'est la même chose avec l'exploitation pétrolière, on va le voir aussi. C'est que plus on investit dans l'exploitation pétrolière, plus ça coûte pour pouvoir extraire de moins en moins de pétrole. On le voit aussi, je vois pour ceux qui sont en train de piquer du nez là maintenant, auxquels j'ai une attention, pleine d'affection pour la difficile journée que vous avez eue aujourd'hui. Et on le voit notamment aussi pour la qualité de l'attention par rapport à un sommeil. Plus en fait, on a des rendements décroissants d'attention par rapport à l'investissement qu'on y donne. On sera très attentif la première heure après une bonne nuit. Encore, ça va bien marcher jusqu'à 8 heures. Puis après, ce sera de moins en moins important parce qu'on a aussi des rendements décroissants. Et c'est une dynamique qu'on va pouvoir expliciter de la manière suivante. On a déjà fait. C'est que... On a ce qu'on appelle la productivité marginale et le niveau d'investissement, qui sont deux notions importantes, mais qu'il ne s'agit pas de, qui sont tout à fait compréhensibles. Productivité marginale, c'est l'accroissement en production lorsqu'on rajoute une unité d'investissement. Donc, par exemple, j'ai une usine avec 5 ouvriers. Eh bien, c'est combien est-ce que qui fabrique des clés à molette? Et combien de clés à molette en plus est-ce que rajouter un ouvrier supplémentaire dans mon usine, ça rajoute en chaque fois que j'en emploie un. Et le phénomène qu'on observe, c'est que généralement, ça augmente toujours dans une première phase de façon très importante. Et puis après, ça finit par diminuer. Puis il y a un moment, c'est justement ce moment-là où il y a cette ligne à droite qui croise la courbe, dans laquelle on arrive à un niveau... dans lequel, si on rajoute quelqu'un, on va commencer à perdre de l'argent, parce qu'on va produire en fait non plus plus de clés à molette, mais moins, parce qu'il y aura trop de gens qui vont se marcher dessus, après il va falloir faire la queue pour reprendre des équipements, parce qu'on n'aura pas assez, enfin, sans rentrer dans l'ensemble, ça c'est un exemple parmi d'autres, et du coup on va commencer à perdre un ensemble. Et on peut classer ces trois phases, c'est-à-dire là du début jusqu'en fait au pic de productivité marginale, c'est-à-dire là où on est encore en période de croissance, on appelle ça, c'est la période des rendements croissants, et après toute la période dans laquelle la productivité marginale baisse parce que on continue à gagner de l'argent quand on emploie, quand on amène plus d'ouvriers pour fabriquer ses clés à monnaie, mais chaque fois qu'on en engage un, l'ensemble produit de moins en moins relativement par rapport au nombre d'ouvriers, c'est-à-dire que si d'un coup j'avais 7 ouvriers et que j'en emploie un 8e, entre le 6e et le 7e, j'avais 2 clés à molette en plus, et avec du 7 au 8e, j'ai plus qu'une en plus. Et ben voilà, on est exactement dans la période des rendements décroissants, et la période qui est après, on appelle ça la période des rendements négatifs. Et si on prend et ce phénomène-là s'applique à la complexité, je pense que pour vous, c'est maintenant relativement clair, c'est-à-dire que plus on a des éléments qui sont complexes, plus le rendement ou le bénéfice qu'on peut tirer de ces éléments complexes, donc c'est-à-dire le nombre de parts ou de types de parts et puis la régulation qu'on a ensemble, plus ce rendement tend à baisser jusqu'à devenir négatif. Et à ce moment-là, on se trouve dans une situation qui ressemble à celle-ci, dans laquelle on a au départ le bénéfice de la complexité, de mettre plus de règles, d'avoir plus de rôles sociaux, d'avoir plus de spécialisations qui augmentent, puis après qui continue à augmenter
mais par contre de moins en moins vite, et on arrive à un point après dans lequel si on continue à augmenter, on va commencer à perdre quelque chose, que ce soit de l'argent, de l'énergie ou du temps, et ensuite de quoi ça chute. Et c'est une ça c'est, y a, dans le monde économique il y a des structures qui fonctionnent en rendement négatif, et généralement c'est par manque de conscience. Et la problématique des rendements négatifs, c'est qu'on finit par travailler plus pour gagner encore moins. Donc, d'une certaine manière, et ça s'applique également aux sociétés dans leur ensemble, sachant que tout ça coûte, et au bout d'un moment, ça coûte de plus en plus par rapport à ce que ça rapporte, même si c'est considéré comme la normalité. Alors, ça fait très abstrait, et puis on va prendre un exemple relativement clair, qui est celui de l'exploitation pétrolière, que j'ai mentionné déjà en partie avant. Ça, c'est un champ à San Francisco, en 1906, et à l'époque, dans cette région-là, la plupart des champs, des champs pétroliers, enfin des, comment dire, des réservoirs dans lesquels on vient puiser, se trouvent entre 80 et 150 mètres. On peut creuser avec même des têtes de forage en bois, enfin en eucalyptus, comment dire, bien taillé, et puis également après, comment dire, durci à la flamme. Et on a de l'infrastructure qui fonctionne de manière relativement rudimentaire, avec pratiquement pour la plupart pas besoin de maintenance immédiate, parce que la pression qu'il y a dans les réservoirs est telle que le pétrole sort de lui-même. Et aujourd'hui, donc ça c'est une situation qui est dans laquelle il y a beaucoup de ce qu'on appelle la complexité structurelle, donc il y a énormément de diversité. Par contre, le type de part est relativement réduit. On a des réservoirs, on a bien sûr quelques rôles sociaux, on a des dériques, mais par rapport à si on, en fait, on va dans une situation aujourd'hui extrême, qui est l'exploitation pétrolière en haute mer ou en eau profonde, voire maintenant dans l'Arctique, comme c'est le cas pour cette plateforme expérimentale sur le plateau continental russe, dans la zone arctique, dans lequel on a ici 250 personnes qui travaillent avec une multitude d'équipements dont je pense que même pas l'exploitant peut lister l'ensemble de ce qu'on a dessus, avec une logistique complexe qui elle-même est constituée de multiples parts, et on n'a même pas encore montré ici tout le réseau qu'il faut pour les consommateurs, qui nécessite une recherche et un développement considérable pour être mis en place, tout ça pour pouvoir continuer à extraire de l'énergie, parce qu'il y a une nécessité, parce qu'il y a aussi après des impératifs économiques, c'est une autre chose, mais c'est parce que les champs de la région de San Francisco et tous les autres champs qui y ressemblent ont soit déjà été mis en exploitation ou sont aujourd'hui vides, respectivement, économiquement plus exploitables. Ce qui nous mène après à la problématique de cadre d'évolution, c'est pourquoi est-ce qu'on va jusque-là? Alors déjà, j'ai déjà en partie mentionné cet élément-là, et c'est toute la problématique autour du darwinisme. Alors, il ne faut pas confondre ça avec le darwinisme social, qui est une perspective dévoyée des travaux de Darwin sur l'évolution. Et c'est une perspective, il s'agit d'une perspective scientifique, c'est-à-dire du cadre d'évolution selon des perspectives scientifiques sur l'évolution. Là-dedans, ça fait apparaître un certain nombre d'éléments qui permettent de mieux expliquer pourquoi est-ce qu'on va jusque-là. Et peut-être que le cadre de sélection est le plus intéressant. Parce qu'il y a plusieurs, on va dire, principes dans le darwinisme. Il y a un principe de variation, il y a un principe d'héritage ou de réplication, c'est-à-dire, variation, c'est qu'il y a tendance à avoir légèrement des variations de gènes ou bien des caractéristiques sociales dans les individus qui permettent de maximiser la diversité pour qu'il y ait des gens qui soient plus adaptés. La réplication, c'est que ces gènes-là tendent à se répliquer ou qu'il y a héritage des gènes précédents ou des caractéristiques précédentes. Et la sélection, c'est l'élément le plus intéressant pour nous immédiatement, parce que c'est un principe, comme pour les deux autres, qui est un principe objectif, c'est-à-dire qu'il est observable, il n'est pas sujet à notre jugement. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a des sociétés comme la nôtre qui ont survécu et pas des sociétés indigènes, ou que ces sociétés indigènes ne soient pas en mesure d'imposer leurs lois par rapport aux nôtres. C'est parce que, objectivement, le cadre de sélection a favorisé des sociétés comme les nôtres qui sont extrêmement intenses en exploitation énergétique, parce que cette énergie-là permet de déployer une puissance considérable, et militairement, économiquement et culturellement,
de prendre l'ascendant sur tout autre groupe qui n'a pas ces mêmes capacités. Et il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, mais le cadre de sélection indique clairement, et c'est un outil indispensable pour pouvoir avoir une appréciation objective de l'évolution des sociétés et de nos probables aussi trajectoires d'évolution, ce que ça indique, c'est que les structures qui ont été capables de maximiser leur consommation énergétique pour obtenir des avantages concurrentiels, ont été sélectionnées. Elles n'ont pas été sélectionnées de manière morale, elles ont été juste sélectionnées parce qu'en fait, on observe que c'est elles qui sont maintenant en position dominante. Et bien sûr, la coopération joue un rôle très important dans les dynamiques de sélection, parce que la coopération peine à maximiser la puissance d'une unité. Et en fait, on parle beaucoup de compétition, et c'est mal la compétition. Je ne vais pas mettre un jugement de valeur sur la compétition, qui en fait, on devrait plutôt appeler ça la rivalité, puis la compétition, c'est le cadre général. Mais en fait, rivalité et coopération sont en permanence en train de fonctionner. Le fait qu'on a des règles qui nous forcent à fonctionner ensemble en tant qu'État, en tant qu'organisation, indique qu'on est capable de faire de la coopération qui est généralement coercée à certains degrés, qui permet de maximiser la puissance de ces groupes en compétition avec d'autres, qui peuvent après également, dans d'autres circonstances, être mis en coopération contre en fait un autre groupe. Et intellectuellement, c'est très stimulant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la compétition et la coopération, respectivement la rivalité et la coopération, sont des stratégies de survie, et qu'il ne s'agit pas de dire que la survie c'est bien, la survie c'est mal, mais que si on veut observer les sociétés qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, qui ont été sélectionnées, encore une fois, pas moralement, mais juste parce qu'on observe qu'elles sont là aujourd'hui, eh bien, elles ont fait usage à la fois de la coopération et de la compétition, et là-dedans, elles ont maximisé leur capacité d'extraction énergétique pour pouvoir obtenir des avantages concurrentiels, que ce soit par la coopération ou la compétition. Et du coup, ça mène à deux types de trajectoires. Avant ça, cette compétition et cette coopération, elles ont une conséquence pour nous qui est très importante, c'est qu'elles maximisent la complexité. Parce que vu que la complexité est un outil de résolution des problèmes, on va mettre plus de technologies, plus de types de technologies, plus de régulations, par exemple, pour faire la guerre, pour pouvoir avoir plus de capacités. La guerre demeure un accélérateur de complexification, parce que aujourd'hui, c'est la course aux technologies, aux missiles hyper-véloces, à toutes ces choses-là qui nécessitent comme les sous-marins nucléaires d'attaque qui sont, cela dit, hein, c'est pas la station internationale, mais c'est les sous-marins qui sont les objets les plus complexes qui ont jamais été créés sur Terre. Et pour pouvoir créer ces éléments-là, qui sont extrêmement complexes, mais qui permettent d'avoir des avantages considérables sur tous les types d'adversaires, ça nécessite une coopération à l'interne très importante, mais aussi une maximisation de la consommation énergétique, une maximisation de la complexité. Et encore aujourd'hui, même si on sait que la plupart de tout ça est soumis à des rendements décroissants, et puis qu'avoir un avantage de 2 secondes dans la capacité d'un missile à atteindre sa cible par rapport à un autre, ou maintenant ce qu'on fait, parce que c'est le domaine que je connais assez bien, d'avoir des missiles interbalistiques qui font comme ça pendant leur trajectoire de rentrée pour éviter d'être descendus par des antimissiles, on fait que toujours maintenir un statu quo et on grandit, on continue là-dedans. C'est ces dynamiques qui n'ont pas de fin parce que on fait que alimenter une complexité. Et ça mène à deux éléments, c'est qu'en fait les sociétés tendent à. Aujourd'hui, on est particulier parce qu'on a une exploitation énergétique qui est sans équivalent dans l'histoire de l'humanité, mais toutes les sociétés tendent à évoluer jusqu'à être très vulnérabilisées et ensuite elles peuvent expérimenter plusieurs types de discontinuités. Et puis sur ces belles paroles, pour ceux qui, j'en vois quelques-uns qui battent des yeux, vous pouvez vous lever et puis vous m'écouter pour pouvoir, si vous vous sentez bien, c'est un truc que j'ai appris au CS militaire, c'est quand on est un peu fatigué, on peut se lever. Cela mise à côté, sur les trajectoires de vulnérabilisation, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on ait des supports, c'est parce que ce graphique-là, j'aurais été une très grande peine de vous l'expliquer seulement par la voix. Et on a en permanence des problèmes qui se posent pour la société. Ces problèmes-là, je rappelle, ils sont soit de nature existentielle, c'est pour la survie d'une organisation, d'une société en particulier, ça peut être à travers la guerre, ça peut être économiquement, etc. Ça peut être des problèmes aussi relatifs, c'est-à-dire par rapport à la légitimité des élites, mais qui sont permanents
dans l'obligation de continuer ces investissements importants en complexité, qui sont des problèmes, ou bien de créer des nouvelles manières de s'attacher à l'affection des populations à travers des nouveaux programmes sociaux, ce genre de choses-là, qu'on a eu beaucoup là, pendant les 30 Glorieuses, hein, ça a été quelque chose d'important. Et ces problèmes-là sont notamment issus de la compétition qui tend à être verrouillée, dans laquelle on n'a jamais davantage durable. Et on va les résoudre. Du coup, ça augmente la complexité. Cette complexité requiert de l'énergie. Et tout ça, cette complexité, cette capture d'énergie sont sujets à ce qu'on a évoqué, qui sont les rendements décroissants. C'est-à-dire que plus on augmente la complexité, plus ça résout le problème, mais relativement plus ça coûte par rapport à ce que ça donne. Et dans la capture d'énergie, on a la même chose. On peut capturer de plus en plus d'énergie, mais ça coûte de plus en plus cher de capturer de l'énergie, de plus en plus d'investissements, etc. Et du coup, après, quand on est dans cette situation-là, les rendements décroissants, à terme, ça provoque deux choses. Ces deux choses, c'est tout d'abord l'épuisement de la capacité de réserve. Je pense que là, vous avez déjà tous compris de quoi il s'agissait, c'est-à-dire que ce soit en termes environnemental, énergétique, etc. C'est-à-dire au bout d'un moment, on a épuisé tout ce qu'on aurait pu encore épuiser pour pouvoir extraire plus d'énergie. Alors que ça peut être des puits pétroliers, ça peut être du charbon, ça peut être une capacité environnementale en termes de production agricole ou bien de bioproduction en termes de faune pour faire de la chasse, ce genre de choses. Et du coup, il y a quelque chose qu'on épuise. Et dans l'autre cas, on a une autre problématique, c'est qu'on a des rendements de plus en plus défavorables qui créent, surtout dans les populations agraires, c'est moins le cas chez nous parce qu'on ne paye pas notre complexité, on la paye à travers l'énergie qui a été élaborée pendant des millions d'années avec des processus géologiques sous des conditions de pression et de température particulières qui sont la dégradation, si on veut être... qui sont la dégradation de végétaux et puis de dinosaures morts il y a des millions d'années. Et donc on ne paye pas, mais pour les sociétés agraires, quand il fallait travailler de plus en plus, parce que généralement la complexité qui coûtait de plus en plus nécessitait de plus en plus demander de l'investissement chez les agriculteurs, qui étaient la majorité de la population, qui devaient travailler de plus en plus dur, donc ça crée du mécontentement. Et dans ces cadres-là, à ce moment-là, si on veut continuer à exister, eh bien, il faut qu'on fasse la seule chose que font les sociétés historiquement, qui est tout à fait cohérente, mais en même temps qui les mène à leur démise, c'est intensifier la production énergétique pour pouvoir continuer à financer leur survie. Et on peut le faire de plusieurs manières. Historiquement, ça s'est fait aussi par la conquête territoriale, à travers capturer des nouvelles aires où on pouvait extraire l'énergie, ou bien posséder les ressources d'autrui, qui permettent, parce que l'énergie, étant donné qu'elle peut être symbolique avec le véhicule de l'argent ou de la finance ou des objets précieux, parce qu'elle permet l'échange, une promesse, soit que c'est de l'énergie, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, eh bien, c'était ce genre de choses. Mais il y a aussi un moment dans lequel l'intensification de la production est soumise au rendement décroissant. On va le voir avec les Romains. Les Romains ont été dans la même thématique de rendement décroissant dans leur logique de capture territoriale. Et tout ça nous mène à la fois l'aliénation de la population, soit l'épuisement de la capacité de réserve, c'est qu'on perd la résilience. Si on ne peut plus aller puiser de l'énergie quelque part ou continuer à extraire de l'énergie quelque part, eh bien on a la problématique suivante, c'est que le prochain choc, où il faut complexifier immédiatement pour survivre, eh bien on ne peut plus, parce qu'il n'y a plus les ressources. Et du coup, ça mène aux discontinuités suivantes. Je fais juste un check. Jusque-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne me suit pas? Il y a une question de compréhension? Ok. Soit je vous ai trop perdu, soit c'est ce qu'on n'ose pas dire. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, exact. Non, je ne pense pas. Alors, je n'ai pas tout suivi. Hein, mais... Ok, bon. Pour les sociétés historiquement qui étaient isolées ou en position nettement dominante, on a une caractéristique différente aux sociétés qui sont en compétition permanente comme nos sociétés aujourd'hui. C'est qu'on a une vulnérabilité croissante qui se crée. Et puis en cas de choc ou de défi insurmontable, on peut avoir ce qu'on appelle un effondrement. Alors, un effondrement, qu'est-ce que c'est? Alors, s'il vous plaît, comment dire l'effet? C'est une réduction rapide en complexité. Alors, ici, on a en horizontal l'axe du temps et en vertical la complexité. Et sur la zone grisée, c'est très rapidement cette réduction en complexité jusqu'à ce qu'on retrouve un niveau de complexité qui est en adéquation avec ce que la région immédiate
qui est concerné est capable d'extraire en termes énergétiques. Et c'est généralement associé avec la réduction territoriale, dans certains cas la réduction de population, mais ça n'a pas été le cas dans tous les effondrements. Le changement de régime politique, naturellement, parce qu'il y a un changement d'échelle territoriale, et également des mutations culturelles. Je ne vais pas rentrer tout là-dedans, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'effondrement, c'est une autre façon de dire qu'on repasse à un niveau de complexité, donc en termes de rôles sociaux, de technologie, enfin, de type de technologie et de nombre de technologies, et comme de règles, qui est beaucoup plus bas, qui est en adéquation avec ce qu'on peut fournir. Et c'est généralement une étape qui est associée également avec une forme de détresse, et pas dans tous les cas, mais également une insécurité qui en fait une période difficile, délicate à vivre. Dans le cas de l'Empire romain, par exemple, c'était associé avec un banditisme accru. Et pour les sociétés en relation équivalente ou en compétition permanente, on a cette vulnérabilité croissante qui mène à un épuisement croissant, parce que la différence, c'est que par rapport à une société qui est isolée, même s'il y a de la vulnérabilité, étant donné qu'il y a la menace d'être absorbée ou dépassée par un compétiteur, il faut continuer à jouer. Il n'y a pas la possibilité de dire, que ce soit les élites ou la population, on va arrêter de continuer à investir en complexité, parce que sinon, on risque de se faire absorber par un compétiteur. Et c'est pour ça que cet épuisement croissant tend à mener à un épuisement mutuel de tous les acteurs qui sont engagés dans la compétition, et que, en cas de choc, etc., de nouveau, mais cette fois-ci, on peut arriver à ce qu'on appelle un effondrement mutuel. C'est ce qu'il y a, par exemple, eu chez les Mayas, ou dans les cités-états minoennes grecques, auxquelles on a tous les acteurs qui s'effondrent en même temps, plutôt que de manière individuelle. Une autre possibilité, c'est qu'on a, à l'échelle de l'État, parce que maintenant on travaille vraiment à l'échelle de l'État, tout ça, une désintégration lente. Cette désintégration, elle peut mener à deux cas de figure. Le premier, c'est une absorption de l'État par un autre, une perte de compétition, et l'entité en question disparaît. Elle est donc, dans le cas de sélection, elle est désélectionnée. Si à ce moment-là, après la société qui se fait absorber, que la société qui absorbe l'autre se retrouve toute seule, à ce moment-là, il n'y a plus de raison de continuer la compétition, et puis on peut avoir des dynamiques d'effondrement qui se mettent en place pour la société qui vient de gagner. Ça peut être la tragédie du vainqueur. C'est en partie ce qui s'est passé pour l'Empire romain, mais de manière très lente. Et puis l'autre chose, c'est qu'on peut avoir une simplification systématique. Ça va être l'objet de l'intervention du 20 novembre, donc je ne vais pas aller très loin, mais c'est une décomplexification volontaire effectuée sous des conditions strictes. Donc ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a un seul cas historique qui existe d'une société qui a réussi à simplifier de manière systématique et qui réduit son niveau de complexité, mais qui demeure compétitive et qui, du coup, survit, persiste. La gueule de société. C'est pour la prochaine fois. voilà, il faudra dire. Oui, il pense à la prochaine conférence. Je vais expliquer. Ça dit, s'il y a les vidéos. Donc, les cas d'études, j'en propose deux. L'Empire romain d'Occident, les cités-états mayas. Alors, pour commencer, que l'Empire romain, il ne s'agit pas non plus. S'il y a des historiens dans la salle, je précise, moi je ne suis pas historien moi-même, je passe sur les écrits de Tainter et d'autres. Je sais qu'il y a une controverse aujourd'hui qui existe sur est-ce que l'Empire romain s'est vraiment effondré ou pas. C'est une controverse très intéressante, mais ici on va s'intéresser plus à une perspective archéologique et en termes de complexité. Alors il y a une continuité culturelle et d'une certaine manière administrative entre l'Empire romain et les États qui ont succédé à l'Empire romain, mais cette continuité ne remet pas en question le fait que l'Empire romain d'Occident en tant qu'entité administrative centrale et militaire a disparu. Voilà, donc on ne peut pas rentrer là en plus, mais on pourrait y aller dans les questions, si tu veux quelque chose. C'est juste dire que je connais cette perspective, elle est intéressante, donc il faut qu'on soit prudent avec. Alors, on a évoqué la problématique de qu'est-ce que fait... comment Rome évolue? Alors, sans rentrer dans les détails, mais Rome est le produit d'un... c'est une cité-État qui devient une république, qui est le produit d'une compétition intense avec ses voisins, pour ceux qui ont fait un peu l'histoire romaine, on a les Étrusques, on a les Samiens, etc., qui aboutit à peu près au 3e siècle avant Jésus-Christ à la conquête de l'entité d'Italie. Et ce que produit ce genre de phénomène lorsqu'on a des entités qui sont compétitions permanentes, c'est généralement
elles atteignent un pouvoir militaire très, très conséquent parce qu'elles sont, elles ont été particulièrement entraînées à cette art militaire. Et rapidement, avec la République romaine, on a des dynamiques de conquête qui se mettent en place, qui sont en partie autofinancées et qui permettent d'accélérer le mouvement, parce que la conquête d'une région, le tribut, permet partiellement, dans une première partie, d'éliminer la taxation des citoyens romains, et dans une deuxième partie, de financer des campagnes militaires qui permettent de conquérir des nouvelles régions. Alors, c'est une version grossière, mais à l'échelle macro, elle tient tout à fait. Et, par exemple, en -167, les Romains capturent le trésor macédonien, et avec cette capture-là, c'est la taxation du citoyen romain qui disparaît. Et après, on a la dynamique de l'Empire qui se met en place à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, avec César qui a pris Auguste. Et Auguste va... c'est intéressant, c'est que la mutation d'Empire, elle apparaît aussi au moment dans lequel on arrive dans des remontées décroissants pour la logique d'expansion de l'Empire romain. Parce que si on regarde, en fait, là, en vert, c'est les dernières conquêtes de l'Empire romain après Auguste. Après, il y en a aussi quelques-unes, mais elles sont mineures par rapport à la logique, la dynamique de conquête précédente. C'est que même, en fait, avec cette logique de conquête qui est autofinancée, dans un empire agrarien dans lequel les communications se font par cheval ou à pied, eh bien, on a des limites logistiques dans lesquelles un territoire est gouvernable. Et l'Empire romain était principalement gouvernable non pas par la route, mais par la mer. Et il était économiquement uniquement viable par la mer, parce que le coût du transport de grains sur terre pouvait être jusqu'à 64 fois plus élevé que celui par mer. Du coup, lorsque la République se transforme en empire, c'est aussi parce qu'on a une logique d'expansion qui vient à son terme. Alors, c'est bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, mais ce que ça suggère, c'est qu'on a vraiment ce rendement décroissant par rapport à la conquête, et également ce rendement décroissant, il est relativement, comment dire, ressenti lors de la conquête des Gaules par César, parce que on a une région qui amène un tribut important, mais qui n'est pas suffisant pour pouvoir couvrir les dépenses même de la campagne militaire. Et l'autre problématique des rendements décroissants de la conquête, c'est que la logique de la conquête est très intéressante sur le court terme pour les acteurs qui y participent. Mais une fois qu'on a conquis la région concernée et qu'on a pillé le trésor, eh bien, la responsabilité d'administrer la région et de la défendre militairement et de la policer revient aux conquérants. Et ceux-ci n'ont plus après que le produit des taxes agricoles sur lesquelles ils peuvent se reposer pour pouvoir se financer. Ce qui veut dire qu'on a un one-shot qui est extrêmement intéressant économiquement pour l'entité de l'Empire romain, et après un coût qui doit être assumé sur des générations, sachant que le rendement de ces terrains-là dépend des conditions environnementales qui permettent aux paysans de d'avoir leur récolte, puis après on met des taxes dessus. Et du coup, en fait, très rapidement, dans la logique de l'Empire, eh bien, on fait face à les administrations des empereurs font face à des crises successives qui nécessitent de pouvoir extraire rapidement de l'énergie quelque part pour pouvoir financer des dépenses extraordinaires. Et sans rentrer dans toutes ces crises-là, on a ceci déjà à partir de l'empereur Néron. Donc en fait, en 68, on a le grand incendie de Rome, si je me rappelle bien, qui nécessite une reconstruction considérable. Et étant donné qu'il n'y a pas la capacité, parce qu'à cette époque-là, les empires n'avaient pas de budget, pour l'instant, pas encore, l'empire n'avait pas de budget, d'extraire rapidement de l'argent, c'était les recettes de l'année passée qui finançaient le budget en cours, eh bien, Néron met en place une politique qui va être suivie de manière régulière par les empereurs romains, qui va avoir des effets désastreux deux siècles après. C'est qu'il fait il fait du débasement de la monnaie. Le débasement, c'est-à-dire qu'on prend, là en l'occurrence, c'est un denarius, qui est une pièce en argent utilisée dans le commerce romain, et qu'on la fait passer par, qu'on appelle ça, là où on frappe la monnaie, et on fond la pièce, on rajoute un peu de bronze, et on crée beaucoup plus de pièces qu'on en a fait rentrer, qui permet de générer un surplus de monnaie considérable, mais ceci au prix d'évaluer la valeur intrinsèque de la monnaie.
Et cette politique-là va permettre de faire face à un grand nombre de crises de l'Empire romain pendant... Oui. Pardon. Jusqu'à peu près au 3e siècle, où on se retrouve dans une situation dans laquelle le denarius a quasiment perdu entre 95 et 98% de sa valeur, avec une inflation énorme qui rend le commerce romain extrêmement difficile, ou qui fait appel à des monnaies qui sont produites ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut saisir, c'est que la dynamique de l'Empire romain, une fois que que les conquêtes ont été effectuées, a été celle de l'administration. Cette administration, elle produit des rendements qui sont variables et qui sont généralement en deçà de ce qui est nécessaire pour faire fonctionner l'ensemble, et que ce qui a été mis en place, c'est une politique de dévaluation de la monnaie structurelle qui a mené la dévaluation pratiquement totale de celle-ci au 3e siècle. Donc c'est vraiment l'épuisement de la capacité de réserve monétaire qu'on voit là. Et entre le 3e et le 4e siècle, l'Empire romain fait face à une période d'immense instabilité, basée également avec aussi la fin de conditions climatiques optimales. Et sans entrer dans tous les détails et toutes les crises, en à peu près dans cette période, 50 usurpateurs qui apparaissent dans une période de 50 ans. On a Dioclétien et Constantin qui gouvernent entre 284 et 337, qui permettent à l'Empire romain de survivre au prix de réformes considérables. Ces réformes-là, sans rentrer dans le détail, elles accroissent la complexité de la structure de l'Empire, enfin, et de sa régulation de manière très importante. Les provinces sont subdivisées, on a l'ensemble de celles-ci ici. C'est que on augmente la taille des gouvernements, on crée un budget, cette fois-ci le premier budget de Rome, avec un exercice administratif hallucinant pour l'époque, c'est-à-dire l'établissement d'un cadastre. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la parcelle agricole, le système romain pouvait évaluer qu'est-ce qu'on pouvait tirer de chaque parcelle et du coup commandait à l'avance les impôts indépendamment de la performance de la récolte. Il y a aussi la subdivision de toutes les provinces et le dédoublement des capitales pour... le dédoublement de capital, c'est quand l'Empire romain se cède. En 395, pour des questions également de difficultés d'administration, mais la subdivision des provinces, c'est pour éviter que les gouverneurs se rébellent. On a le doublement des administrations. Avant, l'administration civile était également l'administration militaire, et là, on a deux administrations séparées. On met en place une conscription de tout travail essentiel. À ce moment-là, la monnaie a tellement plus de valeur que les soldats sont payés en nature, ou les soldats sont équipés par l'État, et l'État... force les artisans à travailler dans son sens. On a des tentatives de gel des prix pour gérer l'inflation, mais qui sont toutes inefficaces. On a l'ensemble du corps administratif qui double, voire triple, voire quadruple en taille pour certaines fonctions de façon à assurer la survie financière de l'État. Et tous ces efforts-là coûtent énormément, mais permettent à l'Empire romain de survivre et de ressortir consolidé, bien que sa capacité de réserve a été considérablement entamée. Et pour donner... Mais cette capacité de réserve indique également des faiblesses fondamentales. Et on va prendre ici deux comparaisons militaires qui devraient susciter l'interrogation. C'est qu'à mesure que l'Empire romain n'est plus en dynamique d'expansion, mais qui garde des frontières, eh bien, il doit mettre en place des corps fixes avec des troupes mobiles pour pouvoir gérer à la fois la protection des frontières et la gestion des infiltrations entre les points forts. Et ce qui fait que malgré que l'ensemble du corps militaire romain est très important, eh bien, il y a beaucoup moins de mobilité et de capacité que lors du temps de la République où les troupes étaient levées chaque année sur la base de citoyens libres qui accomplissaient leurs devoirs citoyens. Dès lors que le système devient un empire et que la profession de soldat devient financiarisée, on a des différences. Si on prend la deuxième guerre punique, donc la guerre contre Carthage, et la bataille d'Adrianople, qui est le résultat d'une incursion barbare en terre romaine en 378, et on a des éléments qui vont vous surprendre. On a la
Si on prenait date, durée, population, perte et pourcentage, qui vont vous indiquer à quel point l'Empire romain s'est affaibli indépendamment, qu'il soit territorialement et démographiquement bien plus fort à Adrianople. La Deuxième Guerre punique, c'est pendant la République, c'est-à-dire c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, elle dure 16 ans. On a la République romaine qui a à peu près 4 millions d'habitants à ce moment-là, et on peut dire qu'on évalue aujourd'hui à 192 000 hommes les pertes militaires, c'est-à-dire que c'est des pertes considérables qui n'ont pas été atteintes en Europe de nouveau jusqu'à la guerre de 30 ans. Et c'est pratiquement 5% de la population qui décède. C'est extrêmement cher comme prix à payer. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré, par exemple, la bataille de Cannae, dont vous avez peut-être entendu parler, où les Romains perdent quasiment 70 000 hommes en une journée, c'est-à-dire que 70 000 hommes en une journée, c'est plus que ce que les Français ont perdu lors de la pire journée de la Première Guerre mondiale. Je crois, le 24 août de 2014, je crois, pas 24 000 hommes en une seule journée, je suis plus sûr. Adrianople, prend place en 378, la bataille dure une journée. Là, on a un empire qui est 55 millions d'habitants, et il y a 10 000 soldats qui sont perdus, et l'empire romain est défait militairement et doit composer avec les barbares parce qu'il n'a plus la capacité de mobiliser des troupes pour pouvoir les placer contre les barbares à ce moment-là. On a 0,02% de la population qui a été anéantie, contre 4,8%. Et ce qui est intéressant, c'est que 4,8%, après une perte de 70 000 hommes après la bataille de Cannae, on a une organisation sociopolitique qui est en mesure de se relever et de remobiliser les troupes et de gagner un conflit qui dure 16 ans et qui ravage en partie la péninsule italienne. Et là, en l'espace d'une journée, on a l'anéantissement de la domination militaire ou de la capacité à la domination militaire de l'Empire romain, ce qui suggère un affaiblissement structurel très important parce qu'on arrivait à la limite des capacités de l'Empire romain sur sa projection militaire. Alors, c'est 240 fois plus élevé, moins élevé que pendant la Deuxième Guerre punique. Et pourtant, donc ça, je pense qu'on a bien saisi. Lorsqu'on a, avec cet affaiblissement structurel et aussi avec la division de l'Empire en 395 et puis l'Empire romain d'Orient qui garde les provinces les plus productives, on a l'Empire romain d'Occident qui fait face à une série de défis qu'il ne peut pas relever. Et sans rentrer dans tous les détails, militairement et fiscalement, l'Empire romain se délite de manière progressive entre 400 et 476, jusqu'à qu'en 476, les barbares qui forment l'ensemble de la majorité de l'armée de l'Empire romain d'Occident ne pouvant pas être payés et les Romains refusant de leur accorder un tiers des terres italiennes, ceux-ci déposent le dernier empereur romain d'Occident. Et celui-ci disparaît pratiquement de facto. Sans entrer dans tous les détails, ce qu'on peut retirer de la chute de l'Empire romain, c'est que c'est un processus qui commence dès lors que l'Empire prend sa forme définitive. Une question ? et qu'on a une dynamique d'épuisement basée sur des romans décroissants, avec aussi l'épuisement des capacités de réserve et des romans décroissants à la complexité qui sont défavorables, parce qu'une chose que généralement on peut évoquer, c'est que dans une certaine manière, les barbares ont été accueillis par les populations paysannes romaines qui trouvaient dans les barbares un changement bienvenu, ne serait-ce que parce que la taxation barbare était trois fois moins élevée que celle romaine. Donc, il faut dire que cette taxation était si violente parce qu'elle était basée non pas sur les rendements de la récolte, mais sur des attentes qui étaient fixées à l'avance selon un cadastre, que toutes les terres moins productives romaines sont impossibles à rentabiliser pour les paysans qui les exploitent. Et on a des témoignages d'enfants qui sont vendus en esclavage par leurs parents paysans pour la simple raison que ceux-ci ne peuvent pas les nourrir parce que
Bon, il y a 60% de la récolte qui est confisquée par l'État, et parce que l'esclavage était dans une certaine mesure une assurance de pouvoir leur fournir des conditions d'existence minimales, parce que les maîtres étaient obligés de nourrir leurs esclaves de manière correcte. Et ce qui veut dire qu'on a vraiment des pressions fiscales considérables. Voilà donc le cas de l'Empire romain. Il me semble que là, on a un peu avancé, et moi, je vous ferai volontiers aussi l'explication des Mayas, mais je vous propose d'être passé directement à la fin, et à la rigueur de revenir sur les Mayas en question, tourner la partie des questions, parce que sinon, on va finir trop tard. Alors, on était là. Voilà, donc. La situation actuelle, où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, au niveau de la complexité, je pense que ça étonnera personne qu'on évoque que ce soit au niveau simplement du type de technologie, de nombre de rôles sociaux, de la régulation, si on prend simplement que Bâle III, qu'un exemple fameux dans lequel on avait, lors du premier accord de Bâle, 16 pages, et maintenant on a 300 et quelques, on a partout explosé les indicateurs de complexité, qu'elles soient de type structurel ou organisationnel. Il n'y a aucune société qui a été... nos sociétés modernes occidentales sont les sociétés les plus complexes dans lesquelles on a une trace historique. Et il n'y a rien qui indique que cette complexité devrait ralentir dans l'immédiat, étant donné que les dynamiques à la fois de compétition, qu'elles soient militaires, ou géopolitiques, économiques et politiques, continuent à être en plein essor, et en particulier toutes les problématiques de légitimité dues aux élites, qui aujourd'hui ne serait-ce que pour maintenir les acquis sociaux par rapport aux prestations chômage sont en pleine difficulté, qui nécessitent plus de régulation, plus de rôles sociaux pour gérer les problématiques de caisse de pension qui, alors qu'on est encore en situation de croissance, ont des problèmes d'alimentation, pour vous dire. Donc voilà, on est très complexe. Ensuite de quoi, on a partout des rendements décroissants, sans rentrer dans tout ceci, parce que sinon on y serait encore probablement demain. Très rapidement, je pense que vous le voyez chaque année, lorsqu'on augmente le prix de la prime, des primes d'assurance maladie, on paye de plus en plus pour en fait des services qui restent relativement similaires. Après, bien sûr, des thérapies, notamment les thérapies géniques qui coûtent des millions, et qui sont mises en place pour à l'échelle sociétale, sauver. Ce que suggère l'évolution des sociétés dans le passé, c'est que les problèmes vers lesquels on se dirige dans le futur vont nécessiter, en tout cas dans l'immédiat, plus de complexité, donc plus d'États et pas moins d'États, pour être résolu de manière efficace. Et donc pas moins d'atomisation, de revenir à des micro-sociétés, micro-communautés. D'ailleurs, qui pose la question de micro-communautés, d'accord, mais quelle est la capacité de protéger, respectivement, de cette si on prend des auteurs de la décroissance, ça m'a toujours étonné quand je lisais leur texte, c'était qu'ils imaginaient que l'espace d'un instant, c'était comme dans le film Equilibrium, c'est qu'on avait le sérum qui permettait d'enlever l'agressivité et la compétition chez l'humain. Un côté lubris assez fou. Parce que du coup, ça vient nier le principe de sélection avec les stratégies de compétition, de coopération qu'il y a derrière. C'est pas forcément que c'est une bonne nouvelle, mais c'est que ce que suggère, on va le voir vraiment, c'est qu'on aura plus de complexité et que le revenir au localisme est une solution certaine, mais locale, et partielle, je veux dire, pas totale. Voilà, donc compétition, on l'évoquait. Je ne vais pas évoquer tous les problèmes futurs, mais je vais vous laisser lire. Puis c'est qu'un extrait. Hein, donc, s'il s'agit de résumer simplement... Excuse-moi, ça s'appelle nous, c'est toujours Tinter, là ou... C'est Tinter, puis après j'ai mis deux, trois choses à moi. C'est qu'on va plutôt comme ça, on va dire, dans l'intensité et la fréquence des problèmes. Et puis là, on n'a même pas détaillé ce que vont être les effets des changements climatiques et des pénuries énergétiques. Et justement, sur l'énergie, alors au lieu de parler des réserves, du prix, du gaz de schiste, des problématiques de rentabilité, on va travailler sur une dérivée. Et cette dérivée, c'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique et la productivité du système énergétique. C'est, OK, maintenant, combien est-ce que d'unités d'énergie je dois mettre dans un système pour en retirer combien? À l'époque, c'est un peu exagéré, mais ce qu'on dit, c'est qu'on mettait un baril de pétrole pour en retirer 100, en équivalent du pétrole raffiné. Ça coûtait cet équivalent. Aujourd'hui, on en met un et on en retire, suivant les puits, entre 2
pour les vraiment les moins intéressants, SS, 18, etc. C'est, comment dire, il ne faut pas s'attacher à savoir exactement si c'est 16, si c'est 18, etc., mais comprendre quelle est la dynamique, est-ce qu'on est plutôt dans la descente ou la montée. Et là-dedans, les travaux qui ont été faits par Victor Cour et Florian Fizel sont très intéressants. Et, ils insistent vraiment sur cette nécessité de saisir la tendance et pas vraiment le chiffre maintenant, parce que c'est une super bonne idée, le taux de retour énergétique, mais c'est un cauchemar à mettre en pratique de manière précise. Alors saisissons les tendances. Et pour le pétrole, on a eu une maximisation de cette, dans leur recherche, et ça concordant avec ce qu'il y a ailleurs dans la littérature, une maximisation de ce taux de retour énergétique dans les années 1940, avec vraiment une explosion, et maintenant avec une descente de plus en plus importante. C'est pas forcément directement problématique, mais on a des effets non linéaires avec tout ça. On a la même chose avec le gaz, et aujourd'hui, on est encore dans des chiffres intéressants. Le charbon devrait continuer à augmenter pour les 5 prochaines années, mais après se stabiliser et descendre. Et c'est peut-être même une estimation trop optimiste, parce qu'on sait aujourd'hui que les méthodes de calcul des gaz de charbon n'ont pas évolué depuis les années 1980, et puis qu'on pourrait en avoir en fait jusqu'à la moitié moins, suivant les estimations nouvelles. Ce qui suggère qu'en fait, on n'aurait peut-être pas du tout la même dynamique pour le charbon. Mais de toute façon, le charbon n'a pas la même intéressement pour, en termes à la fois de pouvoir énergétique et de capacité de transport qu'ont le gaz ou le pétrole. Le pétrole qui est l'énergie royale par définition. On se trouve ici, donc on est plutôt en descendant pour le pétrole et le gaz, et en vrai pour le charbon bientôt. Et il faut bien se dire que le pétrole, c'est vraiment l'énergie la plus importante, parce que c'est elle qui permet le transport, l'exploitation et de la majorité des autres énergies. Donc à peu près 95% des autres types d'énergie dépendent du pétrole pour l'exploitation, leur transport, etc. Ne serait-ce que parce que l'ensemble du transport maritime fonctionne avec du pétrole extra lourd, et puis que le transport maritime, c'est ce qui fait vivre nos sociétés modernes. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. On va avoir plus de problèmes, donc on va avoir plus de complexité pour la résoudre, mais en fait, on a moins en moins d'énergie. Ça c'est des tendances qui sont déconvergentes. On dirige plutôt vers une descente énergétique, et les énergies renouvelables n'ont pas du tout les mêmes capacités à compenser ce que fournissent le gaz et le pétrole, et sont aujourd'hui en sous-développé par rapport à ce qui serait nécessaire pour remplacer rapidement le parc actuel. On ne veut pas rentrer dans les controverses autour de ces éléments-là. Il faut juste saisir que si on voulait développer les énergies mondiales à l'échelle mondiale de manière à atteindre zéro émission en 2050, on devrait extraire, avec une énergie qui reste encore à trouver où, autant de métaux rares et d'acier qu'on a extrait pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à l'année dernière, en 20 ans. Voilà ce qu'on doit faire. Et uniquement pour construire les éoliennes et les renouvelables, on aurait besoin d'une technologie constante. Après, on peut dire, tout ça, ça va pouvoir être en partie, c'est une perspective qui est généralement assez intéressante, parce que c'est en partie vrai que l'innovation technologique permet soit d'avoir plus d'efficacité énergétique, soit de résoudre des problèmes de manière plus efficace. Et aujourd'hui, en fait, selon une méta-analyse conduite sur l'ensemble de la banque de brevets du bureau américain des brevets, donc c'est à peu près, on a plusieurs millions de brevets, je ne me rappelle plus exactement, par Tainter et son équipe, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on prend la taille moyenne d'équipe, et à partir de 1974, c'est du moment où ils sont informatisés, eh bien, la taille moyenne d'équipe, elle ne fait qu'augmenter, ce qui suggère qu'on a des sujets, on a des demandes de brevets qui sont de plus en plus complexes, qui nécessitent de plus en plus de skills différents pour pouvoir être déposés. Et dans le même temps, on a un nombre de moyens de brevets par inventeur, c'est-à-dire le nombre de personnes uniques qui publient des brevets qui est en baisse constante. Ce qui suggère aussi, c'est que c'est que l'ensemble devient de plus en plus complexe, de façon à que les personnes uniques qui publient sont de moins en moins nombreuses. Tout ce que ça suggère, après il faut rester prudent parce que c'est une approximation par les brevets, puis c'est en partie controversé, ça renseigne quand même une dynamique générale d'ensemble, c'est que la production technologique pour résoudre nos problèmes actuels, si ce n'est pas des projets Kickstarter dont vous demandez à quoi ça sert,
eh bien, c'est de moins en moins efficace pour, par rapport en termes de ressources qui sont investies dedans pour ce qu'on demande de produire. Il faut rester prudent là-dedans, mais il faut aussi... ce que suggère ce graphe, c'est que la foi en la technologie pour résoudre les problèmes de demain doit être examinée de manière rigoureuse, parce que si on a besoin de plus en plus de personnes différentes pour déposer des brevets aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que toutes les technologies qui étaient en guillemets simples ou qui étaient développables par un seul individu ont déjà été déposées ou bien recherchées. Donc, ça nous fait à peu près 20% d'efficacité perdue en 20 ans, si ça c'était fidèle. Maintenant, donc, nous, où est-ce qu'on se trouve exactement ? Eh bien, je peux vous poser une question ? Oui. Pourquoi on ne trouve jamais le potentiel du solaire, par exemple, au niveau européen ou bien au niveau de la Chine ? Il n'y a personne qui a fait des projections ? Je répondrai ça juste après. D'accord. Parce que c'est pas directement là-dedans, mais c'est intéressant. Donc, on se trouve dans une période de vulnérabilisation croissante dans laquelle on a de plus en plus de coûts pour maintenir un statu quo, que ce soit dans le domaine économique, militaire, politique, etc., avec des dynamiques d'épuisement croissant. Donc, pour l'instant, c'est bon, on a encore de l'énergie à bon marché pour pouvoir financer tout ça. Mais si tout à coup, on va aller dans une dynamique d'épuisement mutuel, désintégration longue, on dirait vers l'effondrement mutuel, c'est-à-dire la désintégration mondiale en un seul moment, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun signe géopolitique qui indique une détente, une volonté de coopérer avec des États à l'échelle mondiale. Et que, comment dire, on l'a vu de manière extrêmement simple avec la COP 25, qui devait être au Chili, avec les problèmes sociaux qui ont éclaté, on ne va pas aller en détail là-dessus, mais qui montrent très bien que les problèmes immédiats de la survie des politiques et des États sont bien plus importants que ceux du long terme, qui sont encore difficiles à percevoir pour la majorité des individus et des organisations. On pourrait aller dans une dynamique d'absorption d'État aussi dans notre cadre, mais c'est une conjecture possible, et potentiellement de simplification systématique. Et je dis déjà, je ne répondrai pas aux questions, venez la prochaine fois pour la possibilité de simplification systématique. Voilà les trois questions que je vous avais proposées au départ. Et plutôt que d'y répondre moi, je vous propose de faire le point pour vous, dans quelle mesure est-ce qu'elles ont été répondues de manière satisfaisante. Et sur ces éléments-là, je vous remercie pour votre attention et nous pouvons faire un break, boire un peu un verre d'eau et poser la question de la potentialité du solaire au niveau européen. Voilà. Merci. Il y a une personne qui veut boire un verre d'eau ? Il y a toi déjà. Oui, bonjour. Je te donne le verre d'eau. Oui, volontiers. Mais avant de poser des questions. Déjà, quelle est la... Il y en a déjà une. Quelqu'un peut me dire s'il a l'impression qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Non, je n'ai pas tout à fait été d'accord avec tout, moi. Évidemment. Par exemple. Il y a un truc qui m'a un petit peu gêné, c'est que tu parles par moment de choses qui... C'est vraiment... Je suis globalement d'accord, mais il y a des choses... Ça concerne vraiment nos sociétés à nous dans une manière de voir les choses. Si tu dis... Tu prends d'autres sociétés, elles n'ont pas ce type de problème, c'est peut-être vers elles qu'il faut aller chercher des solutions à ce moment-là. Tu penses aux quelles sociétés ? Je pense à les peuples premiers qui savent mieux vivre avec certains types d'environnement. Oui, mais les peuples premiers ont été dominés militairement, économiquement et politiquement. Et je comprends tout à fait. Il faut distinguer. En prospective, on a deux notions. C'est pas parce qu'ils ont été dominés qu'ils vont continuer à être dominés. Tu vois. Oui, mais dans la dynamique actuelle, ce qui compte, c'est la survie immédiate. C'est vraiment, s'il y a une chose à retenir du cadre de sélection qui permet de mieux saisir les dynamiques d'évolution, qui encore une fois, il est non moral, en fait, c'est juste une observation, c'est que la survie de l'immédiat est plus importante pour des raisons... à la fois aujourd'hui politique, mais également généralement d'inintéressement économique. C'est pas genre pas le cas quand les peuples premiers sont situés sur des gisements qui sont convoités par une multinationale, cela dit. Eh bien, ils sont laissés à vivre leur tradition, parce que l'état de droit est une construction aussi qui a évolué. Mais il n'y a rien qui suggère que les peuples premiers peuvent avoir une influence à l'échelle mondiale et que ça peut être des modèles qui peuvent être copiés. Je ne parle pas d'échelle mondiale. Les modèles copiés, je pense que certaines choses, oui,
Mais à l'échelle mondiale, et puis comment les parties, non, ça ne va pas sauver le monde. Oui. Mais rien va sauver le monde. Mais une distinction, c'est qu'en prospective, il y a vraiment deux notions qui sont très intéressantes, c'est qu'on parle du futur souhaitable et du futur probable. Et en termes de futur souhaitable, je pense qu'on peut tous ici converger vers quelque chose, d'une société qui serait plus économe, plus respectueuse de la nature, dans laquelle on aurait tous des bonnets, puis on mangerait plus de viande. Après, quelques variations. Après, dans le futur probable, eh bien, il y a des dynamiques de compétition, des dynamiques d'imitation. On vit tous dans des espèces de microcosmes. On a tous, après, on se construit aussi des personnalités sociales dans ces microcosmes. De ce que je peux voir quand j'essaie d'explorer ce qui se passe en termes d'échelle sociale, on a tous aussi là en particulier qui s'intéresse à ces questions-là. Généralement, on a des profils sociaux professionnels qui sont assez privilégiés, dans lesquels on a des capitaux soit économiques, soit sociaux qui sont élevés. On est prêt à faire des renoncements ou à prendre des politiques de renoncement. Je vous invite à poser la même question avec quelqu'un qui est dans la merde et qui essaie de juste maintenir sa survie. Moi, je vois à chaque fois que je fais du service militaire, je me trouve avec une extraction de la population suisse qui n'est pas celle que je fréquente dans mes cercles normaux, et c'est chaque fois le reality check. Le reality check, c'est que la plupart des gens ne s'intéressent absolument pas à ces questions-là, et que ce qui compte, c'est de pouvoir gagner un peu plus d'argent, comme ça je peux m'acheter une plus belle voiture pour impressionner mon voisin. Et ça ne veut pas dire que c'est correct ce qu'ils font, mais que ça exprime une dynamique de compétition qui dépasse bien leur capacité d'agir immédiatement. Bien que moi je ne peux que souhaiter qu'on puisse être... on peut régler cette problématique de compétition qui nous force à consommer plus en plus d'énergie. Il faut faire attention que nos désirs soient aussi... si on trouve un exemple historique d'une société qui s'est décomplexifiée et qui a réussi à survivre par rapport à ses compétiteurs ou à l'interne sans perdre sa cohérence, eh bien, c'est une société à suivre. Mais même l'exemple qu'on va explorer la prochaine fois est une société qui s'est décomplexifiée pour survivre à des attaques militaires répétées. Et donc, c'était sous contrainte, il y avait une menace existentielle. Et aujourd'hui, la menace existentielle, on ne la ressent pas, ou on la ressent sur des privilèges, que ce soit le maintien du système de retraite, le maintien du système social, le maintien des privilèges. On va regarder ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans le pays à côté. Chaque fois qu'il s'agit de mettre en question les acquis des Trente Glorieuses, c'est l'explosion sociale. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est pertinent ou bien qu'ils n'ont pas fait l'étude des mesures qu'on pense à soi. Attention au terme que tu utilises. Quand même. Pardon ? Ce n'est pas forcément les privilèges, ce qui s'est passé. Attention au terme que tu utilises. Oui, je ne considère pas comme des privilèges. Des acquis, oui. Après, si on regarde toujours à l'échelle mondiale, c'est des privilèges. Parce que c'est des privilèges basés sur l'extraction d'énergie qui provoque, qui produit de l'entropie, dont les effets principaux du changement climatique sont aujourd'hui ressentis aux tropiques. Oui, les 30 populations... travailleuses, dis les 30 travailleuses ou les 30 glorieuses. Ok, mais je suis avec ça. Ah, ouais. Non, mais c'est juste pour dire, fais attention aux mots que tu utilises. Oui, mais indépendamment de la sémantique, eh bien, on a des peuples privilégiés aujourd'hui, des acquis sociaux sont considérés comme des acquis. Et ce qui suggère que la capacité à se décomplexifier, eh bien, pas seulement à l'échelle individuelle, parce qu'on dit le grand dogme est la grande réussite de l'industrie, qui a été tellement intégrée qu'aujourd'hui ça considère comme normal, c'est de penser que l'action écologique, elle doit se faire au niveau individuel. Et aujourd'hui, on fait tous, oui, il faut que vous fassiez l'exemple, machin, bidule, montrer que vous consommez moins. Eh bien, ça, c'est la réussite de cabinets de lobby qui ont réussi à défalquer l'agir collectif et de la réglementation à l'échelon individuel, et qui maintenant permet à tous les individus bien intentionnés que nous sommes de prendre la charge mentale de qu'est-ce que je fais sur ma douche, mon dentifrice, la viande que j'achète ou pas, donc, et qui vient mettre la pression psychologique sur l'individu, tout en permettant aux organisations de faire ce qu'elles veulent, et surtout d'éviter de dire voilà, en fait, les réglementations doivent se faire à l'échelle collective et pas individuelle. Du coup, ça peut être piégeant. Voilà, faut faire attention. Juste 100% d'accord. J'ai une question. Les Romains, quand ils ont complexifié comme ils l'ont fait, comme tu l'as, ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient ? Ils avaient une vision globale de ce qui se passait ou pas ? Mais il n'y a rien qui suggère qu'ils ont une vision globale, mais il n'y a rien qui suggère qu'ils ne l'aient pas eu. Le truc, c'est que pour le politique et pour le gouvernant, une fois qu'il est en place,
son but, c'est la survie politique. À court terme. Et que c'est extrêmement difficile de trouver des espaces de manœuvre pour pouvoir revenir. Il y a, si on prend, par exemple, l'évolution de la teneur en argent du denarius, eh bien, on a des épisodes... on va y revenir. On a clairement des épisodes dans lesquels on a une restructuration de la valeur. Donc en fait, des pics qui ne sont, qui sont pas attribuables à des variations entre les pièces et qui suggèrent qu'il y a eu des efforts constants pour redynamiser la puissance de la monnaie, mais que sur le long terme, ils n'ont pas été suffisants. Ils étaient en permanence contracturés par une dynamique déflationniste plus importante. Mais ils en avaient conscience. Donc, il y a eu des tentatives de... Ça suggère que c'est le cas, mais on n'a pas de document écrit, en fait. Donc, et puis ça, c'est rien que sur la valeur de l'argent. Oui. Alors, on a des dynamiques similaires avec l'or ou avec... Oui, la monnaie. Ouais, la monnaie, pardon. Ouais. Est-ce que les Romains ont essayé le taux négatif? Non. Mais je pense que s'ils avaient pu, ils auraient fait. Il n'y a pas la Banque Centrale Européenne pour émettre de l'argent donc, qui est en train de produire des denariers. Mais ce que montre les taux négatifs, c'est qu'on est en train d'emprunter sur la confiance dans le système fiduciaire du futur. Et bientôt, déjà que ce qui s'est passé avec 2008, c'est qu'en Europe, enfin dans les pays occidentaux, on a fait exactement ce qu'on a dit aux pays asiatiques qu'ils ne devaient pas faire 10 ans avant, donc perdu toute crédibilité. Puis en plus, on a laissé des grandes entreprises qui ont acheté une partie des élites politiques pouvoir prospérer. Parce que, attends, ça c'est, je t'ai dit une parenthèse, pas revenir là-dessus, mais c'est normal que la bourgeoisie s'enrichisse sur le dos de la populace. Ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis après, c'est une anomalie de l'histoire aussi. Parce qu'il n'y a que 4 cas qui ont été identifiés historiquement dans lesquels les inégalités ont été réduites de manière structurelle. C'est la peste noire, mais pas partout en Europe, qui a forcé l'aristocratie à payer, mais seulement pendant une centaine d'années, donc c'est pas grand-chose. les artisans de façon plus importante parce qu'il y avait une pénurie de travail. Mais par exemple, en Pologne, le système aristocratique a réussi à maintenir ses privilèges et a continué à mal payer les artisans alors que ceux-ci étaient en capacité structurelle de demander plus. C'était pas forcément... ça, c'est un élément. Deuxième, c'était pendant les périodes de révolution violente, il y a le cas russe, mais en fait, la réduction des inégalités dans ce cas-là, elle se fait par tuer les riches, donc en fait, fondamentalement, ça n'augmente pas la richesse de tout le monde. Mais ça augmente les inégalités relatives. C'est aussi en partie le cas pour la Révolution française, mais ça ne dure pas longtemps. Et il y a les effondrements, qui sont des réducteurs très importants d'inégalités, parce que les riches perdent leur réseau de captation de la richesse. Mais en fait, tout le monde perd en richesse, donc finalement, on réduit les inégalités, mais en fait, on appauvrit tout le monde. Et il y a les guerres de mobilisation de masse, qui, semble-t-il, sont liées uniquement au système industriel du XXe siècle, qui ont demandé un accroissement de la coopération telle qu'à un moment, la survie des États nécessitait de coercer les élites. Et c'est un rare exemple historique. Donc, ce que ça suggère aussi, c'est qu'en fait, un conflit militaire massif, non nucléaire, parce que ça serait fini, entre des superpuissances aujourd'hui, pourrait retrouver des dynamiques à la fois d'accélérer la coopération à la réduction des autres consommations pour rediriger celle-ci vers une économie de guerre qui pourrait financer l'armée occidentale. On ne peut plus faire la guerre comme ça, on n'a plus la capacité. Et qui pourrait permettre aussi de mettre en place des législations pour pouvoir faire de la taxation punitive sur les super riches. Voilà. Donc, toujours est-il que dire que, pour venir à 2008, eh bien, aujourd'hui, on a les papiers monnaie et puis les injections financières dans le marché bancaire où on crée de l'argent ex nihilo pour essayer de maintenir les banques à flot. Et maintenant, on a ces taux négatifs. Et bientôt, c'est plus le problème de. La dette ne sera jamais remboursée, c'est plus possible parce qu'on n'a plus les taux de croissance qui sont possibles. Puis on a mathématiquement, on n'a plus la capacité. La problématique, c'est pas forcément pas pouvoir rembourser la dette, c'est la capacité d'accéder à la dette. Et aujourd'hui, on a une situation dans laquelle. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de cette question-là, mais c'est la vraie problématique, c'est l'accès à la dette. Et on n'a plus accès à la dette lorsqu'il n'y a plus la confiance que la dette sera potentiellement remboursée. Et aujourd'hui, avec ces taux négatifs, ça vient accroître cette problématique que la dette sera potentiellement pas remboursée, sachant qu'on a déjà bien affaibli la confiance dans tout le système financier. Et qu'à l'heure où je vous parle,
des instituts bancaires maintenant se font déjà plus confiance sur le marché intraday, c'est-à-dire en fait dans la journée. Il y a des prêts qui se font plus parce qu'il n'y a plus la confiance qui sont remboursés à l'échelle de la journée. Donc. Bon, moi je peux pas. Ouais. Donc, tout ce que ça suggère, c'est qu'effectivement, on va vers de plus en plus de vulnérabilisation. Est-ce qu'on va vers un effondrement? Moi, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas devin. À vous de faire vos conclusions. Parce que moi, j'ai manqué un peu ce que tu as dit. Quelle est la situation où l'inégalité diminue, mais la richesse pour tout le monde aussi? Alors, la richesse pour tout le monde diminue dans une situation d'effondrement. Oui, tu as donné un cas où l'inégalité diminuait. Ouais. L'inégalité. Ouais. Mais tout le monde devient plus pauvre. Oui, bah, dans les cas d'effondrement, c'est le cas. On a dans les révolutions violentes, ça a aussi généralement été le cas. Ça n'a pas été le cas lors des guerres de mobilisation de masse. La réduction de l'inégalité la plus puissante, la plus rapide qu'on a dans l'histoire de l'humanité, c'est le Japon pour la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel on a un pays qui était extrêmement capitaliste et dans lequel on avait des familles puissantes qui possédaient quasiment l'entier du pays. Et à la fin, on a des taxations tellement punitives que les inégalités ont été réduites de manière massive. Et ce que ont fait les Américains quand ils ont pris possession du pays, pour éviter la menace communiste, ils ont opéré la réforme agraire la plus brutale de l'histoire. ce qui est aussi une jolie ironie de l'histoire. Moi, je pense que ça peut arriver très vite, cet effondrement, parce que, comme l'a dit en 72 le rapport Meadows, à un certain point, l'effondrement, il va être exponentiel, mais sur tous les fronts, en matière économique, en matière de manque des ressources, en matière de guerre, parce que tout le monde va se faire la guerre parce que pour arriver aux dernières ressources possibles. Donc, tout va s'enchaîner de manière brutale et assez rapidement. Parce que cet effet exponentiel, on peut déjà le voir maintenant au niveau du climat. Ça sera aussi au niveau du climat, au niveau des inondations, au niveau de la nature qui se rebelle. Alors le fait que ça peut être très rapide, ça, c'est tout à fait certain. Il y a des scénarios qui sont même encore, on n'a pas évoqué. Moi j'ai travaillé sur la thématique du blackout et une interruption d'électricité, ne serait-ce que de 5 jours, avec rétablissement après 5 jours, en Suisse ce sera un chaos extraordinaire. C'est pas une expérience intéressante pour certains d'entre nous, mais je pense pour la plupart ce sera extrêmement déplaisant parce qu'on a très peu de réserves alimentaires. Mais on peut aussi être surpris du temps que ça peut prendre avant de se dégrader. C'est pour ça que je ne fais pas de prédiction sur s'il y a un effondrement ou il n'y a pas. On peut faire des scénarios et après se préparer en fonction de ces différents types de scénarios. Mais la préoccupation que vous exprimez me semble entièrement légitime. Mais je fais attention parce que, comment dire, on ne sait pas de quoi vraiment l'avenir va être fait. On peut aussi, ce qui s'est passé en 2008 avec le quantitative easing, qui est finalement la planche à billets pour les banques, si on veut dire en version très résumée et grossière. J'espère qu'il n'y a aucun économiste ici qui va prendre offense de ma simplification, grossière. C'est un outil qui était pensé comme qui était pensé comme impossible à mettre en place. Semble-t-il que tous les économistes qui me disent m'ont dit qu'on n'aurait jamais pu penser que ça aurait pu tenir, qu'on aurait pu croire à un système comme ça. Ce que ça suggère, c'est qu'on peut être, c'est ce que dit aussi Kenneth Boulding, qui est l'ancien chef économiste du FMI, qui était quelqu'un de très critique, c'est que les systèmes tendent à durer plus longtemps qu'on pense, mais ils s'écroulent plus rapidement qu'on l'imagine. Et ce que ça suggère, c'est qu'il y a peut-être des outils financiers qui vont être mis en place, qui vont permettre au système de se maintenir encore pendant 15 ou 20 ans, alors qu'on pourrait tout à fait, de manière pertinente, anticiper plutôt des dynamiques de descente dans 5 et 10 ans. C'est pour ça que je suis prudent, en fait, sur dire, je ne fais pas m'engager parce qu'on ne sait pas, et puis aussi parce que quelque part, pour notre survie à nous tous, eh ben, c'est plutôt profitable que ce ne soit pas le cas. Voilà, donc, mais j'ai pas les réponses à moi je suis spécialiste de ça en particulier, donc le reste, après que je commence à faire du café du commerce, ça va me gêner parce que sinon je m'asseye à la même table puis je reste pas debout, donc voilà, ça va aussi. Ouais, puis il peut y avoir aussi des comportements assez innovants. Alors, typiquement en ce moment il y a une guerre larvée entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il y a quand même 4 tankers qui ont été torpillés, il y a quand même la plus grosse raffinerie mondiale qui a été explosée à coups de bombe. Normalement, les Américains, ils auraient dû embrayer direct, ils auraient dû ratiboiser l'Iran, le Yémen, grand coup de bombe, et ils n'ont pas bougé.
Et la question est pourquoi? Parce que normalement, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller. L'Iran, il y a du pétrole, il y a du gaz, ils emmerdent les Saoudiens. Enfin, en fait, ils n'y vont pas parce que comme le marché du pétrole en fait, est très très tendu depuis quelques années, ben, depuis 2008 on va dire, en fait, le moindre manque de production de pétrole déclencherait, à mon avis, une grande, grande crise économique. Et donc, en fait, moi, c'est comme ça que j'analyse, en fait. Les Américains se disent qu'ils ne peuvent pas faire la guerre, parce que même s'ils déclenchent la guerre, ça déclencherait une énorme crise économique. Et donc, ils préfèrent faire une guerre larvée, limite à coup de terroriste, ou à coup de service secret, que de faire une vraie guerre, comme on l'a vu en Irak, etc. Et ce type de comportement, c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout vu arriver. Et donc, voilà, on a... le changement dans les comportements pour que le système se maintienne, ça peut être très, très étonnant. Donc, effectivement, toutes les conditions sont là. Mais je pense qu'on a pas mal de ressources pour... pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Il y a l'autre chose que dit Tainter de manière extrêmement crue, puis qui va faire penser un peu hérisser le poil à 2-3 personnes ici, c'est, faut se rappeler, la tragédie des biens communs, qui est une vraie tragédie, c'est-à-dire, c'est l'exemple dans lequel, si on a un prêt où tout le monde peut accéder, eh bien, il n'y a pas d'incitatif pour pouvoir prendre soin de la ressource commune, parce que s'il n'y a pas de règles, eh bien, comment dire... tout ce que je ne prends pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Aujourd'hui, on pourrait faire toutes les politiques qu'on veut pour réduire la consommation énergétique. Il n'y a rien qui suggère que des acteurs comme l'Inde, la Chine, l'Arabie Saoudite ne vont pas justement maximiser ce qu'ils peuvent encore prendre par rapport à ce qu'on prend moins. Parce que, comment dire, ben, il n'y a aucun avantage à ne pas le prendre. Du coup, comment dire, ça ne suggère pas forcément des éléments très réjouissants immédiatement. Par contre, si cette politique-là, elle est faite pour renforcer la résilience sociétale et que c'est faite en plus avec une vision stratégique qui est totalement, à mon avis, fantasmagorie, de pouvoir être en politique de puissance pour dominer ces États dans l'horizon 30 à 40 ans parce qu'on aurait une capacité de résilience et de production indigène, ce serait très pertinent. Mais ce serait donner, on va dire, à la fois beaucoup d'agences, on va être capacité de réflexion aux élites, et puis d'avoir la capacité d'avoir une politique de... une stratégie sur le long terme. Les États occidentaux montrent qu'ils n'ont plus de capacité à avoir des stratégies sur le long terme depuis la fin des années 80. Donc, oui, mais aussi depuis le début des temps de l'homme, 300 000 ans, la volonté de l'humanité, ça a toujours visé la croissance. Je ne vois pas pourquoi maintenant la majorité tout d'un coup serait sage pour dire il faut décroître. On sera une minorité à le penser, peut-être à faire des choses, mais... disons que le système humain, oui, c'est d'aller vers la croissance. C'est ce que ont indiqué les recherches de Tainter et ce qui se fait dans les travaux sur l'évolution. Mais il y a des auteurs qui ont consacré leur vie à essayer d'écrire que qu'on pouvait faire autrement, mais qui ne sont jamais posé la question si c'était applicable et si ça permettait la survie sur le long terme dans des dynamiques de compétition et de rareté de ressources. C'est là où, quelque part, les mouvements de la décroissance aujourd'hui me semblent à la fois extrêmement nécessaires pour renforcer la résilience en développant des capacités locales, la petite agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, il faut se rappeler, qui est surtout pour renforcer les liens sociaux par rapport à la production alimentaire, c'est négligeable. C'est enfin, extrêmement nécessaire, mais le rêve de la décroissance, si on prend ces éléments-là, et que, tant qu'on n'arrive pas à les démonter de manière factuelle, de manière non idéologique, tout ce que ça suggère, c'est que le monde de la décroissance met des imaginaires qui sont inatteignables et qui vont créer des tensions psychiques qui vont amener à des souffrances importantes entre quelque chose qui est nécessaire d'être atteint, c'est-à-dire la décroissance, et ça peut justifier d'un point de vue très intellectuel, c'est extrêmement pertinent, nécessaire, mais de l'autre côté, on a la tragédie des biens communs, les problématiques de légitimité des élites, de fonctionnement des États, et à moins d'avoir une capacité coercive militaire qui doit imposer cette décroissance, ce qui est possible, mais les coûts de la coercition sont relativement élevés et puis généralement plus chers que ceux de l'achat de la légitimité, on ne va pas pouvoir mettre en place. Mais ça, par contre, un interdit des pensées de la décroissance. Moi, j'ai fait un master en durabilité, je ne parle pas forcément d'expérience, mais en tout cas avec une forme de connaissance des textes majeurs. Ce qui m'a toujours surpris, c'est que déjà, la plupart de ces penseurs ont totalement évacué la question de l'évolution et du cadre d'évolution.
enfin la sélection. Et puis de l'autre côté, c'est qu'il y a refus, mais je comprends, hein, parce que c'est identitaire, d'imaginer un système coercif de décroissance. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire, mais c'est que si on veut la décroissance, et puis que l'évolution suggère qu'on ne peut pas le faire de manière volontaire, alors il faut penser la coercion. Et je n'ai pas vu, en tout cas, de système de réflexion politique, je veux dire, élaboré, hein, pas de l'écofascisme de bas étage, mais de la coercion qui pourrait être basée sur la redistribution, mais avec un État fort, et puis une réflexion notamment sur les capacités militaires, l'indépendance, ce genre de choses. On peut faire aussi de la défense low-tech, hein, ça existe, mais j'en ai pas vu. Hein, donc s'il y a des gens qui veulent réfléchir à ça, je pense qu'il pourrait avoir beaucoup d'écho chez des publics qui sont différents, mais il y a des... C'est là où je me dis, c'est là où l'intervention de Vincent Muro va être très intéressante, parce que lui, il parle de tous ces récits qu'on s'invente pour pouvoir vivre bien. Et là, le récit qu'on a... Enfin, ce que viennent suggérer ces données-là, c'est que le récit qu'on crée contre... pour proposer une alternative à ce qu'on appelle l'effondrement, moi, j'aime pas ce mot, hein, parce que c'est trop chargé émotionnellement. Pour la plupart des gens, ils font plutôt une longue descente avec des mondes discontinuité. Enfin, bref, le monde ne va pas s'effondrer, enfin... À moins qu'on ait un blackout de 2 semaines, mais à ce moment-là, il n'y a plus rien qui ne va jamais fonctionner. On ne va pas s'effondrer de manière dystopique à la Mad Max. Et puis d'ailleurs, Mad Max, c'est une fiction, parce qu'ils ont toujours du pétrole, vous vous demandez comment. Du coup, je ne vais pas non plus après m'écouter parler pendant toute la soirée, puisque ce n'est pas intéressant. Mais ce que ça suggère, c'est qu'on a besoin de... À la fois, on est conditionné pour avoir des récits qui sont des fictions et des mensonges objectifs, mais qui nous attirent. Et de l'autre côté, que ces mêmes récits nous empêchent d'avoir une vision de la réalité objective, et que cette vision de la réalité objective aujourd'hui, elle est un désavantage, enfin l'absence de cette vision est un désavantage, parce que du coup, on s'attache à des stratégies qui sont improductives. Et c'est là où, moi je suis ouvert à toute discussion, il faut que ça reste sur des bases factuelles, et puis là, en l'occurrence, le cadre de sélection, c'est basé sur ce qu'on appelle en science une épistémologie, donc un moyen d'accéder au savoir qui est extrêmement solide. Parce que voilà, ça a été bien consolidé dans le monde animal et puis chez l'humain. Quelle est la stratégie positive? Ah, comment dire, moi, comme tous les gens un peu dans la science, je suis capable de critiquer, pas forcément d'amener des solutions. Donc, c'est pas forcément... En fait, c'est pas vrai. Je suis en train de travailler à des choses, mais qui sont pas matures pour être discutées de manière publique pour l'instant. Voilà. Est-ce que tu penses des réflexions sur le rationnement d'énergie? C'est très intéressant. Et je peux que féliciter les gens qui travaillent dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les réflexions sur la façon dont l'énergie qui n'est pas, dans laquelle on n'intègre pas une composante de la coercition post-rationnement, donc coercition, imposement du rationnement, avec notamment moyen, enfin pression de l'État, de la force, ce genre de choses, c'est une réflexion qui est incomplète. Et ce que suggère aussi l'expérience historique, notamment pendant les conflits des deux guerres mondiales, c'est que le rationnement, il est toléré tant que la menace existentielle est perçue de manière très proche. Par exemple, les femmes au Royaume-Uni acceptent, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de renoncer aux produits de maquillage parce que les ressources industrielles utilisées pour celles-ci ont besoin d'être redirigées ailleurs. C'est OK, vu qu'en fait, c'est des produits pour la compétition intra-féminine, mais qui sont moins nécessaires pour la compétition inter-État à ce moment-là. Mais l'évolution a quand même montré que l'utilisation de maquillage est une stratégie féminine, d'abord pour de compétition des femmes elles-mêmes avant d'être une stratégie de séduction. Là-dedans, du coup, la problématique, c'est que dès qu'en fait la menace de la guerre devient de moins en moins prégnante, on a des demandes ou des exigences de population qui ont fait des sacrifices qui reviennent très rapidement. Et du coup, ce qui est nécessaire pour que le rationnement puisse fonctionner sur le long terme, c'est que la menace existentielle doit rester très présente. Elle doit être perçue. C'est la seule manière de pouvoir avoir une coopération volontaire de la population, parce que sinon, à ce moment-là, il faut mettre après des stratégies de coercition. Mais la coercition est chère aussi en termes logistiques, en termes personnels, en termes ressources. Puis en plus, elle n'est même pas forcément efficace. Hein. Donc, on voit bien que les systèmes de surveillance qu'on a aujourd'hui, ça coûte très cher. Et puis des fois, on a quand même des éléments qui arrivent à passer en dessous. Voilà. Mais encore, là, je suis moins expert, mais c'est juste, j'ai une connaissance un peu générale. C'est juste. Mais justement, en cas d'effondrement, la menace existentielle. Quand tu as une question sur le soleil, là, pas. Alors, justement, oui et non.
le problématique de la menace d'effondrement, c'est que si elle va être palpable dans la mesure où en fait elle peut être identifiée en tant que telle, par exemple, le cas de les crises économiques en Amérique du Sud dans les années 90 suggère que même si on a des moments de difficultés économiques très importants à l'échelle sociétale, eh bien ceux-ci peuvent être perçus de manière atomisée et pas en fait en tant que quantité collective. Alors bien sûr, il y a des groupes de troc qui sont mis en place, mais il y a aussi beaucoup de criminalité. Le nombre de barreaux aux fenêtres en Argentine a explosé pendant cette période parce que c'était un moyen de se protéger aussi contre la criminalité, les portes blindées, etc. On a eu des réactions atomisées et pas à l'échelle de la société. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois plus de solidarité, mais plus de rivalité interne. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de menace existentielle qui a permis au groupe de faire bloc. Et là, on se dirige plutôt vers des pénuries économiques de ce type-là. Et c'est pour ça que quelque part, paradoxalement, je ne vais pas le dire parce que je le dirai la prochaine fois, mais on peut suggérer que la compétition a des effets très intéressants pour la durabilité. Voilà, puis comme ça vous fera revenir la prochaine fois. Et puis, Miguel, la perception du risque d'effondrement, enfin, regarde combien on est. Hein. C'est pas gagné-gagné quand même que tout le monde le perçoive. Hein. Non, mais un jour, elle sera réelle. Oui, mais c'est là que les gens vont réaliser. C'est quand l'effondrement sera là. Quoi ? Ça sera trop tard. Mais oui. Oui. Ah, oui. Typiquement, par exemple, le changement climatique, personne ne voit les gaz à effet de serre. C'est des trucs qui se déroulent sur des décennies. C'est complètement imperceptible pour la personne lambda. Mais quand on va commencer à manquer d'énergie, d'eau, de terres arables. Oui, mais il n'y aura pas de camp. Enfin, il y a un jour où voilà, bah, non. Alors, pas forcément. On pourra plus boire, manger ou... Alors pas forcément. Par exemple, si on regarde par exemple la vitesse du réchauffement sur le réchauffement climatique, si on regarde la vitesse du réchauffement climatique et sur 20 ans maximum, en partant du principe que au-delà de 20 ans, les gens oublient. Et bien en fait, on se rend compte que même un des scénarios très très graves du réchauffement climatique, en fait, il y aurait très peu de personnes dans le monde qui se rendraient compte qu'il y a un réchauffement climatique. Parce qu'en fait, il se déroulerait tellement lentement, sur des décennies, plusieurs décennies, qu'au final, sur deux décennies, il y aurait peut-être 20-25% de la population mondiale qui se rendrait compte qu'il y a un réchauffement climatique. Et donc, et pourtant, on est dans des scénarios type RCP4-5, RCP6, c'est du blabla de nos techniciens, mais des scénarios qui sont vraiment durs en termes de réchauffement climatique. Et bien, même ces scénarios-là ne sont pas assez rapides pour être perçus par la majorité de la population mondiale. Mais sauf s'il y a l'effet exponentiel. Alors, sauf s'il y a une hyper-accélération, sauf s'il y a vraiment une rupture totale planétaire. Mais en fait, les lois de la thermodynamique nous disent continental. Est fortement improbable. Plus il y a d'amplitude dans ton événement, moins il est probable. Et donc, en fait, on risque de manière très probable d'avoir beaucoup de petits effondrements un peu partout. Et donc, en fait, il n'y aura pas d'effondrement ressenti par tout le monde en même temps. Ça, c'est quasiment impossible. Mais, par exemple, en Suisse, mettons que dans 15 ans, dans 20 ans, on perde les deuxièmes piliers. Bah, là, déjà. Et puis qu'à ce moment-là, parce que peut-être dans 20 ans, il y aura déjà un problème d'eau potable ou de... Voilà. Et peut-être que déjà, il y a des effets cumulés. Peut-être que c'est des barres les plus pauvres qui vont perdre leur chaudier. Oui. Et donc, en fait, ça ne va pas être homogène, en fait, la perte de ces trucs-là. Nous, souvent, on a tendance à s'imaginer qu'il y a un événement qui arrive et boum. Et en fait, vu qu'on raisonne au niveau planétaire sur les très grandes populations qui ont énormément de diversité, en fait, ça va être très très hétérogène en fait. Chacun va vivre sa trajectoire d'effondrement de manière différente. Et donc, l'opportunité qu'on aurait de tous percevoir en même temps ce qui se passe et donc de réagir de manière solidaire, en fait, cette opportunité-là, pour moi, elle n'existera jamais. Enfin, la probabilité qu'elle existe, elle est extrêmement faible. Donc, il faut se méfier entre l'imaginaire qu'on a sur un événement mondial qui va arriver, style un grand effondrement financier qui va battre toutes les cartes. Il a eu lieu d'ailleurs en